Avec René Girard, entraîneur, Montpellier a vécu les plus belles heures de son histoire. Seulement voilà, après 4 années de bons et loyaux services, le président Nicolas a tranché. Girard va quitter le club Hérolté en fin de saison. C'est long, 4 ans avec un petit pot. Et puis, comme on a représenté la France en Ligue des Champions. Mais ça me fait chier. Dès lors, les premières rumeurs apparaissent. La plus folle concerne un certain Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, il est proche pour rencontrer Montpellier. Maradona à Montpellier, ça ne devait être qu'une plaisanterie, comme a coutume d'en faire Louis Nicolin. Mais cette semaine, l'agent qui dit représenter la star en France nous a assuré que l'information était sérieuse. Nous, on est en train de chercher un club français. Là, on a entré en contact avec Montpellier. Diego Armando Maradona, ça l'intéresse d'intégrer un club européen. Montpellier cherche un entraîneur. Au Qatar, le conseiller d'Al Wassel, le club où Maradona entraînait, dément pourtant toute discussion. Au milieu de tous ses agents, Louis Nicolin avoue qu'il est lui-même un peu perdu. Un coup on te dit que c'est un Argentin, un coup on te dit que c'est un Qatari. Bon, c'est compliqué tout ça. Des contacts ont pourtant été établis entre Maradona, actuellement à Dubaï, et Montpellier. Youssef Ayoub le prouve, un courrier a été adressé à Louis Nicolin. Je vous confirme l'intérêt de M. Maradona d'étudier une proposition au sein de votre club pour la saison prochaine. Si Montpellier donne suite à ce courrier, les deux parties devraient se rencontrer pour évoquer l'épineuse question du salaire. L'année dernière, lorsqu'il entraînait Al Wassel, Maradona touchait 315 000 euros par mois, 6 fois plus que René Girard à Montpellier. Si l'Argentin, dont les reliques sont présentes partout chez Louis Nicolin, acceptait de revoir ses prétentions à la baisse, Loulou serait bien embêté. Mais je suis dans la merde. Pourquoi ? Et parce que je me suis déjà engagé avec quelqu'un. Maradona ou un autre, une chose est sûre, un nouvel entraîneur sera sur le banc de Montpellier la saison prochaine. Au club, on assure que la nouvelle n'affectera pas le groupe. Bonjour, pas tout le monde, mais bonjour. Pourtant, vendredi, la tension était perceptible. Il reste 11 matchs à faire. Je vais me focaliser là-dessus, j'ai pas de temps à perdre sur ce qui vous intéresse, vous. On en reparlera à la fin de la saison. Henri Bédimo, l'un des artisans du titre la saison dernière, ne sait pas vraiment si l'équipe sera troublée. No comment. Et la fin de saison dira si on a bien digéré ça ou pas. Ou, voilà. À demi-mot, il reconnaît néanmoins qu'une page va sans doute se tourner. Ils connaissent mes ambitions, je les ai jamais cachées. Pour moi, je pense que ce serait bien finir en étant quatrième. Terminer quatrième et permettre au futur entraîneur de disputer une Coupe d'Europe. Un nouvel entraîneur qui pourrait d'ailleurs s'appeler Jean Tigana, Antoine Comboiré ou Frédéric Antonetti. Vous faites partie de la shortlist de Montpellier. Il faut demander à Montpellier. Vous n'avez pas eu de contact? Non, pour l'instant, c'est trop cool. Pour entraîner Montpellier, tu les mets tous sur un ring et se battent. Hein. Pas un petit club, Montpellier. Aucun nom n'a filtré, mais il s'agira selon nos informations d'un Français, libre de tout contrat. À moins que d'une feinte dont il a le secret, Maradona ne fasse tout basculer.